¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo te ha ido? ¿Eh? Bien, bien, bien. Ah, qué bueno. ¿Ya está la comida? Ya, mero. Ah, bueno, qué bueno. Ya van a... ya están los frijoles. Ya. Ya. Ya se van a poner. Ya está la Chayito, ya está limpiando los frijoles. Qué bueno. Pues precisamente de eso venía a darles una información, Robles, de un problemita que tenemos con la exportación de frijol. Hay un señor de Estados Unidos que recogió unos pocos de frijoles aquí en el mercado y agarró este amarillito de nosotros y dice que es de él y que no lo podemos, que tenemos que pagarle para venderlo. Y quiere de un 10 a un 15% de regalías, le dicen ellos. ¿Y qué hacemos? Tenemos que hacerlo. No, vamos a defenderle, vamos a quitar la patente esa. ¿Robles sabe lo que es una patente? ¿Una patente? Sí. Bueno, es como un registro, ¿no? Como un registro, exactamente. Un registro. ¿Y qué te pareciera si alguien registra tu vaca y dice que es de ella, de él? Ah, pero... Entonces te defiendes, ¿verdad? Sí, sí, cómo no, porque es mía, con el hierro. Así es. Sí, ¿hay este frijol? ¿Hay para allá? ¿Sí hay? No, ¿otros frijoles? Hay de otros, hay pintos, hay negros. Pero es que aquí se descubrió esto. Aquí sí, aquí. Eso es, entonces está muy mal. Ese es un acto de piratería. Sí, cómo no, son piratas. Los grandes vecinos. Il s'appelle Larry Proctor et il exploite une ferme de haricots dans le sud des États-Unis. Depuis 1999, son nom incarne ce que ses opposants appellent la biopiraterie. Cette année-là, l'Office des brevets de Washington lui accorde un brevet sur une variété de haricots jaunes qu'il prétend avoir inventé. J'ai commencé à cultiver les haricots comme garçon de ferme avec mon père en 1958. C'était des haricots rouges. Oui. Voici nos cultures et nos champs de haricots jaunes de la variété Enola. Enola. C'est sous le nom de sa femme que Larry Proctor a fait breveter sa variété de haricots jaunes, comme il dit, après un voyage au Mexique, ce qu'il reconnaît du bout des lèvres. Tell me, Larry, comment a commencé votre histoire avec le haricot jaune? C'était quand? C'était au début des années 90. Lors d'un voyage au Mexique, j'ai acheté un sac de haricots mélangés. Il y avait des rouges et des noirs. J'ai sélectionné les jaunes et je les ai plantés. Je voulais voir s'ils allaient pousser dans ce pays. Je les ai cultivés dans une zone protégée où il y avait beaucoup d'arbres fruitiers et de fleurs. Ce qui fait qu'il y a eu une intense pollinisation. Finalement, la mère nature s'est chargée de tout. Et je n'ai pas eu à faire grand-chose. 2 ans plus tard, vous avez demandé un brevet. Comment avez-vous justifié auprès de l'Office des brevets de Washington que votre variété de haricots jaunes était une invention? C'était après un peu plus de 2 ans, je crois. Je leur ai présenté les données et les tests de mon travail de sélection. Et ils ont estimé que je remplissais les critères. L'un des critères, c'est que ce haricot était nouveau aux États-Unis. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. C'est une nouvelle couleur. Est-ce que vous vous considérez comme l'inventeur américain du haricot jaune? Oui, je suis l'inventeur de la variété Enola du haricot jaune. Dès 1999, le brevet de Larry Proctor provoque un tollé au Mexique et la défense du haricot jaune devient une affaire nationale. C'est à l'INIFAP,
l'Institut public de la recherche agronomique, que s'organise la résistance. Ici, on travaille depuis toujours sur la sélection et l'amélioration des haricots, dont le Mexique constitue le centre d'origine. Le haricot est originaire du Mexique, de cette zone centrale volcanique. C'est d'ici que provient la grande diversité des haricots mexicains, du point de vue de la couleur, de la forme ou de la taille. Déjà avant la conquête espagnole, les Indiens mangeaient des haricots, les Aztèques comme les Mayas. Le haricot est la nourriture de base du Mexicain depuis l'époque précolombienne. Quel est le haricot qui a été breveté par l'Américain ? Ce sont ces haricots que l'on trouve sur la côte pacifique mexicaine. Au Mexique, on les appelle les haricots azufrados. L'INIFAP de Mexico possède ce que les biologistes appellent une banque de germoplasme. C'est une chambre froide où sont conservées les ressources génétiques du haricot, soit 10 651 variétés différentes. Parmi elles, une trentaine se caractérise par la couleur jaune. À quelle variété appartiennent les haricots brevetés ? Ils font partie de la variété Mayocoba, qui appartient à la famille des haricots qu'on appelle azufrados. Indépendamment du fait que ces haricots représentent un patrimoine de nos cultivateurs, nous pensons qu'on n'a pas le droit de breveter des organismes vivants. Nous sommes absolument contre. Pour protéger la couleur de ces haricots, Larry Proctor a obtenu deux documents officiels. L'un est ce que les sélectionneurs appellent un certificat d'obtention végétale qui lui permet de contrôler le marché intérieur. À ce jour, sa société Podnurse a vendu plusieurs centaines de licences à des agriculteurs américains. L'autre, c'est le brevet, qui lui permet de contrôler les importations grâce à un monopole de 20 ans. Voici mon mur de sac. Et ici, les haricots jaunes de la variété Enola. Pour que les consommateurs sachent bien que notre produit est vraiment américain, je suis fier d'y avoir apposé le drapeau américain. Ça veut dire que vous êtes le propriétaire du haricot jaune aux États-Unis ? Oui, j'en suis le propriétaire. Mais bon, certains pensent que je suis le propriétaire de toute la couleur et partout dans le monde. Non. Le brevet stipule que je suis propriétaire d'une petite partie du spectre de la couleur qui va du point A au point B. C'est ce que dit la loi. C'est ce qui vous permet d'exiger des royalties aux Mexicains qui exportent des haricots jaunes ? Nous avons effectivement fixé des royalties sur nos produits. C'est un maximum de $6 par sac de 100 livres. Will be $6 per hundredweight. Côté mexicain, les producteurs de haricots jaunes ne décolèrent pas. Regroupés dans une coopérative qui compte un millier de membres, ils produisent chaque année 15 000 tonnes de haricots jaunes vendus dans tout le pays. Depuis 5 ans, ils se battent pour exiger l'abrogation du brevet, mais l'affaire est au point mort. Ma question est très concrète. Qu'est-ce que ce brevet nous empêche de faire ? Ça nous empêche de développer notre production et d'exporter librement vers les États-Unis. En 1998 et 1999, nous avons eu une augmentation énorme de la production. Nous avons donc commencé à exporter avec beaucoup de succès. Nous étions en plein boom quand est arrivé un fax directement de Podnurse qui nous demandait de payer des royalties pour chaque livre exporté. De combien ? Je ne sais plus, 3 centimes la livre. Non, 6 centimes la livre. Et vous avez arrêté les exportations ? Nous avons dû les arrêter car nos clients ne voulaient pas avoir d'ennuis. Cette guerre, non, pas cette guerre, mais disons notre défense, ne doit pas être dirigée contre Larry Proctor, même s'il profite de tout ça, mais contre l'Office des brevets américains. Parce qu'aujourd'hui, il a permis le brevetage de notre haricot, mais demain, ça peut être la tequila. L'Office américain des brevets agit avec beaucoup de légèreté, en encourageant la biopiraterie. C'est un brevet sans fondement qui va même à l'encontre de la mondialisation et des échanges internationaux.
Avec cette nouvelle menace mondiale venant des États-Unis, ce n'est pas seulement un produit alimentaire mexicain qu'on nous vole, mais aussi l'identité de notre peuple. México, qué rico lugar, donde los frutos nacen con sabor auténtico. Ah, pero nada más rico que sus frijolitos. L'affaire est suivie de très près par le ministère de l'Agriculture qui a pris un avocat pour faire annuler le brevet. Depuis 6 ans, le haricot jaune empoisonne les relations du Mexique avec son grand voisin du Nord. Le gouvernement mexicain s'est engagé à fond dans ce dossier. Car à terme, l'enjeu, c'est la protection des ressources du pays. Le Mexique est le centre d'origine non seulement de haricots, mais aussi du maïs ou de nombreuses espèces de fruits. Et cette affaire peut constituer un précédent pour d'autres cas. On peut parler de vol ? Oui, quand quelqu'un s'approprie quelque chose qui ne lui appartient pas, au bout du compte, il s'agit d'un vol. C'est devant un tribunal californien que les Mexicains ont contesté le brevet. La procédure est longue et coûteuse, car aux États-Unis, un brevet a valeur de loi. Pour prouver qu'il s'agit bien d'un vol, le gouvernement mexicain a payé une étude à l'université Davis, où travaillent les meilleurs spécialistes américains du haricot. Celle-ci a été confiée au professeur Paul Gepps, un scientifique belge, chercheur au département de biologie moléculaire. Ce qu'on essayait de chercher, c'est de déterminer les relations génétiques entre Enola d'un côté et d'autres variétés semences jaunes. Ce qu'on utilise, c'est l'ADN de ces variétés et on essaye de comparer l'ADN. En fait, et donc, si deux variétés sont très proches, elles auront des ADN très semblables. Chaque colonne verticale représente une variété différente. La variété Enola, c'est 51 et 52. Et alors 49 et 50, ce sont les deux variétés jaunes principales du Mexique. Et quand on les compare bande par bande, en fait, on voit qu'ici, elles sont presque identiques. La conclusion, c'est que l'origine la plus probable de Enola est en fait une variété développée par les Mexicains. L'affaire du haricot jaune est aussi devenue un symbole pour les scientifiques des États-Unis. Unanime, ils dénoncent une dérive du système des brevets américains qui ne respecte plus ses propres critères d'attribution. Comment réagit la communauté scientifique face à ce brevet ? Ça, on n'a pas compris, quoi. Enfin, comment est-ce que c'est possible ? Parce que le critère pour obtenir un brevet, c'est de montrer qu'on a inventé quelque chose, c'est l'invention, n'est-ce pas ? En fait, il y a 3 critères. Il y a la nouveauté, il faut l'utilité, et alors ce qu'on appelle en anglais « non-obviousness » ou « inventiveness », c'est-à-dire le pouvoir d'invention. Il n'y a pas de nouveauté. En 3 ans, il n'est normalement pas possible de développer une nouvelle variété. L'utilité, elle est certaine, parce qu'il y a un marché pour le haricot jaune, mais l'inventivité, c'était préexistant, en fait. Il dit, par exemple, qu'il a un rendement élevé, il n'y a pas de données de rendement. Il dit qu'il est tolérant à la chaleur, il n'y a pas de données sur la tolérance à la chaleur. Des séries de documents qui démontrent l'existence antérieure ne sont pas cités dans ce brevet. Ce qu'on voit, c'est qu'il est assez, relativement facile d'obtenir un brevet. Il est très difficile de l'annuler, quoi, en fait. En attendant, Larry Proctor s'accroche bec et ongle à son brevet. Et il ne lésine pas sur les moyens pour défendre ses droits de propriété intellectuelle sur le haricot jaune. D'après Mark Hodge, l'avocat du gouvernement mexicain, ses frais de justice s'élèvent à plus de $100,000. D'où vient l'argent ? Mystère. Non, ça doit être nouveau partout dans le monde. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un derrière lui ? Il peut très bien y avoir un investisseur, nous ne savons pas qui, mais j'ai l'impression qu'il a été envoyé comme croisé pour le haricot jaune.
Il n'est pas possible de mener une action d'une telle ampleur auprès de l'Office des brevets sans qu'il y ait beaucoup d'argent derrière. Je peux vous assurer que le niveau de défense développé en son nom est de l'ordre de celui que peuvent s'offrir les multinationales de mon pays. Des compagnies comme General Electric seraient prêtes à s'engager dans ce niveau de défense juridique si elles savaient qu'elles peuvent faire un énorme profit avec le produit en jeu. Ne pensez-vous pas qu'il y a une dérive dans le système des brevets américains ? Oui, c'est sûr qu'il y a une dérive dans le système des brevets, aucun doute. C'est dû au fait que les gens, les savoirs et la technologie se sont développés dans le domaine de la biotechnologie. Ça a forcé l'Office des brevets à bouger dans cette direction pour tenir compte de cette évolution. Le brevetage du vivant est devenu un gros business ? Oui, c'est vraiment devenu un énorme business. Le brevetage des organismes vivants était interdit partout dans le monde jusqu'à l'avènement de la biotechnologie. Aux États-Unis, cette exception était clairement stipulée dans la loi sur les brevets de 1951 qui ne visait que les machines ou les procédés industriels. Aujourd'hui, l'Office des brevets de Washington, qui dépend du ministère du Commerce, accorde chaque année 70 000 brevets, dont 15% concernent des organismes vivants. En 1980, la Cour suprême des États-Unis a prononcé un jugement au sujet de l'affaire Chakrabarty. C'était un scientifique qui travaillait pour General Electric et qui avait modifié génétiquement un micro-organisme pour manger les hydrocarbures. Quand il a déposé sa demande de brevet, l'Office a estimé qu'il n'avait pas le droit d'accorder des brevets sur un organisme vivant et il a rejeté la demande. Chakrabarty a fait appel auprès de la Cour suprême qui a déclaré que tout ce qui a été touché par l'homme sous le soleil est brevetable. Le cas Chakrabarty a ouvert la porte aux brevets sur les gènes, les séquences de gènes ou les animaux transgéniques. Ou les plantes. Il y a deux manières d'obtenir un brevet sur une plante. Soit parce que la plante a été modifiée génétiquement en intervenant sur sa structure ADN, soit parce que par un processus de sélection et de croisement, l'homme est parvenu à créer une plante qui n'existait pas dans la nature. En revanche, si c'est une plante de la nature qui est un produit de la nature, on ne peut pas la breveter. Impossible d'aborder l'affaire du haricot jaune, qui pourtant semble contredire les principes de la maison. Argument invoqué, elle est en cours de jugement. C'est la seule chose qu'acceptent de confirmer les représentants de l'Office. Je vous confirme qu'il y a une demande de révision en cours, mais pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Voici la bête noire de l'Office des brevets de Washington, le Canadien Pat Mooney, qui a inventé le mot biopiraterie. Dirigeant une organisation non gouvernementale, il a fait du brevetage du vivant son cheval de bataille. Pour lui, l'affaire du haricot jaune représente un enjeu universel. Si la Cour donne raison à Larry Proctor, ce sera un signe pour le monde que le gouvernement américain laissera passer n'importe quel cas de biopiraterie pratiqué dans les pays du tiers-monde. Cela signifiera qu'il n'y a définitivement plus de règles dans ce domaine. Avec le brevetage du vivant et les changements intervenus en 1980, on constate déjà que n'importe qui peut venir à l'Office des brevets des États-Unis pour exiger un amendement ou une exception aux règles d'attribution. Les abus sont permanents. L'Office est devenu une sorte de kleptomane qui n'arrête pas de voler la biodiversité partout dans le monde. Quel est l'enjeu du brevetage du vivant ? Il est difficile de mesurer aujourd'hui l'ampleur des conséquences qu'entraînent l'appropriation et le brevetage de la vie. Ce qu'on peut dire, c'est que ça réduit la vie à une chose, comme un cendrier, une salière ou une table. La biodiversité est considérée comme une matière première qui sert à développer de nouveaux produits ou des services, des médicaments, des produits de beauté ou des aliments qui peuvent être commercialisés. Electronic media.
Every doctor is suggesting huge Colgate, this prosperous karta. Then I'm asking huge, that one, this is good. There is a quarrel, there is a fight between high fire and old tradition. No? After 20 minutes, I'm discussing, working everywhere in the cattle field, in Gosala. Huh? What do you think about the patent held by a U.S. company on the neem? Because the U.N. company is very clever, and that country is very clever, they know the importance of the neem. Neem is a mother and father of the medicine. Neem tree. We have full liberty to control on this because this is my property. Le ministre Lalu Prasad est connu pour sa bouffonnerie, mais là, l'affaire est sérieuse. En 1994, la compagnie américaine Grace, spécialisée dans les produits chimiques, a obtenu un brevet sur un procédé fongicide extrait du neem, le nom indien du margousier. Depuis, une dizaine de demandes de brevets ont été déposées, y compris sur un dentifrice à base de neem. Surnommé l'arbre gratuit, le margousier est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle depuis la nuit des temps. Face aux menaces qui pèsent sur lui, l'État de l'Ariana mène une campagne de sensibilisation de la population. Neem ke upyog ke bare mein aap logon ko bataunga. Uske baad baat aati hai charm rog ki. कितने भी प्रकार के चर्म रोग हो शरीर में कहीं पे भी हो दाद हो खाज हो खुजली हो पितुवर्धा हो चेहरे पे पिंपल्स हो तो उन सब के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है सुबह खाली पेट आप खा लीजिए दूसरा तरीका इसका काढ़ा बना के पीना है और जो पत्ते नहीं चबा सकता नाक भींच के और इसको पी जाइए नीम की बकली है नीम की छाल जिसको बोलते हैं ये भी बहुत उपयोगी है बच्चे को बड़े को किसी को भी कहीं फोड़ा फुंसी घाव किसी भी प्रकार की चीज है तो उसको ये लगाया जा सकता है बच्चे को तो आइए भाई इधर यहाँ आओ तो इसको लगा सकते हैं इस तरह से इसको घाव जल्दी भर जाता है और खर्चा कुछ नहीं होता है अब जैसे ये बेटी हैं, इनके चेहरे पे जो पिंपल्स हो गए हैं ये लेप इसका बकली का इसको चेहरे पे को अपने रोज आना इसको लगाना और ये सूख जाए हमारे देश की धरोहर है नीम और विदेशों में लोग उसको पेटेंट कराने के लिए लगे हुए हैं पेटेंट एक कानून है जो कर्ता धरता है अमेरिका वाले हैं और वो ये करते हैं कि व्यापार में पूरी दुनिया को फंसा लो इसको कोई हमारी धरोहर को पेटेंट ना करा ले पेटेंट कराएंगे तो हम कराएंगे Le second domaine où le margousier est largement utilisé, c'est l'agriculture. Un peu partout en Inde, les paysans fabriquent un compost à base de feuilles de neem qui sert d'engrais, mais aussi de pesticides naturels, car l'amertume de la sève constitue un puissant répulsif. C'est mieux que les insecticides chimiques ? C'est plus efficace que les produits chimiques, et en plus, il n'y a pas d'effet nocif, c'est très bénéfique. Mais les produits chimiques coûtent cher. Oui, cette technique-là, elle coûte rien. Tout ce que ça nous demande, c'est un peu de travail et d'organisation, mais il n'y a pas de coût supplémentaire. Une autre technique consiste à extraire l'huile des feuilles et des graines de margousier à l'aide d'un alambic. Après dilution, la préparation est aspergée sur les cultures. C'est précisément ce procédé fongicide naturel qui a été breveté par la compagnie américaine Grace.
ट्रेजेडी ने मेरे पिछले 20 साल की जिंदगी बनाई है उस दिन मैंने शपथ खाई थी कि क्यों हमें जहरीले पदार्थ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं खाने के लिए जो लोगों को मारने के लिए महायुद्ध के लिए बनाए गए थे जैविक खेती की देन भोपाल से निकली नीम को बढ़ावा देने के लिए मैंने भोपाल में ही शपथ खाई थी 10 साल बाद जब नीम का पेटेंट हुआ WR ग्रेस के हाथ में फिर वो लड़ाई हम लोगों ने इसलिए लड़ी कि हमारे हाथ में ऐसी चीजें हमारी जड़ी बूटियां हमारे पेड़ पौधे हमारे बीज हमारे खाने जो लोगों को मारते नहीं हैं पर लोगों को जीवन देते हैं C'était dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. À minuit, un nuage de gaz toxique s'abat sur Bhopal. En quelques heures, 10 000 personnes agonisent et 20 000 décéderont dans les semaines suivantes. Le gaz mortel provient de l'usine de Union Carbide, qui fabrique des insecticides chimiques. Aujourd'hui, le site de l'usine n'a toujours pas été décontaminé, mais le pesticide naturel a pris sa revanche sur le pesticide chimique. Les margousiers ont envahi ce site de désolation. Physicienne et lauréate du prix Nobel alternatif, Vandana Shiva est l'égérie des opposants à la biopiraterie. C'est elle qui a mené la campagne contre deux brevets américains qui avaient provoqué la colère des Indiens. L'un concernait le curcuma, l'autre une variété de riz basmati. Après une bataille de plusieurs années, les deux brevets ont finalement été révoqués. Aujourd'hui, Vandana Shiva a fait de l'opposition au brevet sur le neem un combat pour la vie. Le margousier est l'alternative à la catastrophe qui a tué 31 000 personnes. C'est la réponse à Union Carbide, Dow Chemicals ou Monsanto. N'est-ce pas une contradiction ? D'un côté, les multinationales veulent imposer des pesticides chimiques, de l'autre, elles brevettent le margousier. Ce n'est pas une contradiction, car elles font tout par cupidité. Elles tuent des gens à Bhopal par cupidité et elles brevettent le neem par cupidité. C'est absolument conforme à leur attitude de prédateur. Le brevetage du vivant est dans la continuité de la première colonisation. Le mot « patente » ou « brevet » lui-même vient d'ailleurs de l'époque de la conquête. C'était une lettre patente donnée par les rois et reines d'Europe à des aventuriers et des pirates dans laquelle ils disaient « Partez, trouvez des terres hors d'Europe et possédez-les en notre nom grâce à ce bout de papier ». Aujourd'hui, les biopirates viennent aussi avec un bout de papier. Il n'y a pas de différence. C'est une lettre patente, un brevet, qui dit « va et possède les formes de la vie du monde au nom des multinationales ». Quand le blanc a décidé de coloniser le monde, les terres qui étaient pourtant habitées ont été déclarées « terra nullius ». Les terres vides, c'est-à-dire vides d'hommes blancs. Bien sûr, pas vides d'êtres humains, et encore moins d'organismes vivants. De la même manière, le brevetage du vivant et la biopiraterie sont basés sur une allégation de vie vide. Si la vie de la biodiversité n'est pas en relation avec l'homme blanc, elle est vide de connaissances. C'est un déni du travail millénaire de millions de personnes, de cerveaux travaillant collectivement pour le bien de l'humanité. C'est à l'Office européen des brevets que la compagnie Grace a obtenu l'un de ses brevets sur le margousier. À l'origine de l'Office, la Convention européenne sur les brevets de 1973, signée par 30 pays. Chaque année,
Les 6 000 examinateurs accordent 60 000 brevets. 6% sont l'objet de litiges. Parmi eux, celui sur le margousier que l'Office européen a finalement annulé en 2000, mais depuis, la compagnie Grace a fait appel. Pour Christophe Ten, permanent à l'organisation Greenpeace, l'Office européen suit les pratiques américaines avec un léger décalage dans le temps. Ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'il est de plus en plus facile d'obtenir un brevet. Il n'est plus nécessaire de présenter une véritable invention. Bien souvent, les demandes de brevets concernent de simples découvertes. On découvre quelque chose, on le décrit, on l'isole de son contexte naturel, comme la teneur en acide oléique d'une variété de maïs ou le principe actif d'une plante comme le margousier. Ce qui est déterminant, c'est que la description soit effectuée dans un laboratoire. On ne tient pas compte du fait que la plante et ses vertus soient connues depuis des milliers d'années ailleurs. Ce qui arrive à l'Office européen des brevets peut participer de la découverte. Ce qui est retenu par les examinateurs en tant que brevet délivrable n'a plus rien à voir avec une découverte. C'est véritablement une invention liée à la valeur ajoutée, liée à l'intelligence. Margousier, en fait, il vous a proposé un brevet sur un principe actif, disons, d'une plante qui était déjà connue, mais dont nos examinateurs n'avaient pas la connaissance. Alors, est-ce que vous mettez au point des outils, justement, pour quand même ici éviter d'accorder des brevets indus ? Non, mais je vous dis, le fait qu'on négocie avec un certain nombre de pays en voie de développement pour avoir accès à leurs connaissances traditionnelles, à leurs ressources génétiques, sous réserve que nous les aidions d'une part, mais qu'ils fassent l'effort d'autre part, pour avoir des banques de données utilisables par nos outils informatiques, nous on est tout à fait prêts. C'est pour prévenir la biopiraterie que l'Inde a décidé de créer une bibliothèque informatisée des savoirs traditionnels. En 2001, 50 scientifiques ont été recrutés. Leur mission, éplucher les livres anciens et recenser les usages traditionnels des plantes. Codifiée, puis traduite en 5 langues, l'information est centralisée dans une banque de données mise à la disposition des offices de brevets. L'objectif, éviter que ne soient accordés des brevets comme celui du NIM, dont les fonctions fongicides ont été décrites pour la première fois il y a 3000 ans. Les pays en voie de développement sont extrêmement concernés par la biopiraterie. Aujourd'hui, 25% des médicaments existants sur le marché sont basés sur des plantes. Et toutes les demandes actuelles de brevets provenant des compagnies américaines sont basées sur l'utilisation de plantes. Les ressources génétiques et les savoirs traditionnels sont la racine pour le développement de la science du futur. Vous devez faire tout ça pour vous protéger. Ne pensez-vous pas que le monde est devenu fou ? C'est vrai que le monde est devenu fou. Mais dans la mesure où 90% des droits de propriété intellectuelle sont détenus par 3 pays, les États-Unis, l'Office européen des brevets et le Japon, que ça nous plaise ou non, ce sont eux qui imposent les règles du jeu. Nous sommes obligés de jouer avec les règles qu'ils ont définies jusqu'à ce que nous soyons suffisamment puissants pour pouvoir fixer nos propres règles. Pourquoi l'Inde ne brevette-t-elle pas ses savoirs ? Ce serait incorrect. Les pays occidentaux sont en train de breveter et de pirater les savoirs indiens d'une manière qui n'est pas éthique. Ce faisant, ils ne respectent pas les règles qu'ils ont eux-mêmes établies. Ils essaient de breveter des savoirs pour lesquels il existe une antériorité. Nous ne voulons pas nous comporter de la même manière en violant les règles en vigueur. L'initiative indienne est une application de la Convention sur la biodiversité signée en 1992 sous l'auspice des Nations Unies. Ratifiée par 200 pays à l'exception des États-Unis, la Convention ne s'oppose pas au brevetage du vivant, mais elle fixe un cadre. Désormais, les ressources génétiques sont considérées comme la propriété exclusive des États qui s'engagent à assurer un partage équitable des bénéfices découlant de l'exploitation des savoirs traditionnels.
Certains opposants à la Convention lui reprochent de nationaliser et donc de privatiser les ressources génétiques qui représentaient jusque-là un patrimoine collectif de l'humanité. Ce n'est pas l'avis de Marina Silva, la ministre de l'Environnement du Brésil, qui défend la souveraineté des pays du tiers-monde. Je pense que l'élaboration de lois dans chaque État national qui établissent que la biodiversité est un patrimoine de chaque pays représente une garantie pour la société que cette privatisation ne se fera pas de manière anarchique en suivant les seules lois du marché. Avant, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas de règles et tout le monde se servait. La Convention permet aux États d'établir clairement qu'ils sont les détenteurs autonomes des ressources génétiques et de leur biodiversité, et en plus que les savoirs associés à ces ressources doivent être respectés et rémunérés. En 1995, la Convention sur la biodiversité entrait en concurrence avec un autre texte qui scelle l'acte de naissance de l'Organisation mondiale du commerce. Baptisé ATPIC, Accord sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce, TRIPS en anglais, ce texte est l'objet d'âpres négociations depuis 10 ans. L'enjeu, l'extension du système des brevets à tous les pays de la planète pour protéger les intérêts des pays du Nord. C'est ce que reconnaît le représentant de l'OMC avec une langue de bois exemplaire. Je suppose que l'un des objectifs fondamentaux, c'est d'établir des règles communes internationales pour que les gouvernements membres de l'OMC protègent les droits de propriété intellectuelle de certains pays membres de l'OMC ainsi que de leurs citoyens et entreprises. Voici la version d'un opposant indien à l'accord ATPIC. Si vous observez l'évolution du système des brevets, elle suit exactement celle de l'Office américain. Avec l'accord ATPIC, tous les pays devront suivre le modèle des États-Unis. Ils disent qu'ils veulent harmoniser le régime des brevets. En fait, une fois que cette harmonisation sera réalisée partout dans le monde, cela voudra dire qu'un brevet obtenu aux États-Unis sera applicable automatiquement en Inde. Quel est précisément l'article litigieux dans l'accord ? C'est l'article 27.3b qui établit une clause dans l'accord ATPIC selon laquelle les inventions liées aux plantes et aux animaux doivent pouvoir être brevetées. Réponse du gouvernement brésilien qui mène la fronde. Notre crainte, c'est que l'accord ATPIC ne défende pas les pays contre la biopiraterie. C'est très grave, surtout pour les pays qui détiennent une grande biodiversité. On dit que les multinationales jouent un rôle très important en coulisses dans ces négociations. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est inévitable car il y a de grands intérêts économiques en jeu. C'est tout à fait compréhensible que les multinationales, qui peuvent se sentir menacées par ce type de négociation, s'en occupent et agissent de manière plus ou moins transparente. Este homem é biopirata. O nome dele é Carsten Hermann Richard Roloff, alemão. 58 anos. Chegou ao Brasil no dia 4 de setembro. Nas viagens, ele se apresenta como biólogo e médico. Passou por Campo Grande, Recife, Caruaru, Brasília e Pirinópolis, em Goiás. A Polícia Federal mobilizou 25 agentes e delegados e passou a vigiá-lo 24 horas por dia. Ontem à noite, Carsten Hermann foi preso no aeroporto de Brasília. Na mala dele, a polícia encontrou 2 casulos com centenas de ovos de aranha caranguejeira. No depoimento, que durou 5 horas, o alemão confessou que é especialista em aranhas e nos venenos que elas produzem. Pretendia levar as aranhas para fabricar remédios. Por isso, assim como muitos outros traficantes de animais, ele apenas prestou depoimento e foi liberado. O crime de biopirataria não está previsto em nenhuma lei brasileira. Pour l'heure, partout dans le monde, la biopiraterie n'est pas reconnue comme un crime. C'est pour combler ce vide juridique que le Brésil met en place une série de mesures qui constituent une première mondiale. Le Parlement étudie actuellement un projet de loi
permettant de pénaliser la biopiraterie avec une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Deuxième mesure, la formation des services de police et notamment des agents d'IBAMA, l'institut chargé de la protection de l'environnement. Désormais, leur mission n'est plus de traquer uniquement les trafiquants d'animaux ou de bois, mais aussi les biopirates. Comment détectez-vous des ressources génétiques dans des valises ? C'est la différence de couleur qui permet de différencier les matériaux en métal des matières organiques. Ça se voit dans le système. Mais une bactérie, par exemple, ça peut se cacher dans une chemise. Oui, c'est vrai. C'est un problème. Pour la première fois dans l'histoire d'IBAMA, nous avons créé un département spécialisé avec 25 agents qui travaillent exclusivement dans le domaine du renseignement. Le biopirate n'est pas seul. Il arrive avec des informations provenant de son pays d'origine, mais aussi des universités et des centres de recherche brésiliens qui développent des activités légales et dont il se sert pour mener son activité illégale. Troisième mesure, la réglementation de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels. Un organisme est désormais chargé de réguler les missions de bioprospection. Pour obtenir un permis, les entreprises doivent signer un contrat prévoyant deux clauses. L'obtention du consentement préalable des communautés paysannes ou indiennes concernées par la mission de bioprospection, ainsi qu'un partage des bénéfices éventuels. À ce jour, 12 entreprises ont déposé une demande de permis. D'après notre panel, il y a deux groupes principaux. Le premier comprend des entreprises de cosmétiques ou de parfums et de l'industrie pharmaceutique. Ce sont des entreprises nationales, des multinationales qui ont des filiales au Brésil ou des entreprises nationales qui ont des contrats avec des multinationales. Et puis il y a des universités publiques ou privées qui veulent réaliser des activités de bioprospection dans le but d'obtenir des brevets pour ensuite les négocier avec des entreprises. Est-ce que vous constatez un changement de mentalité des grandes entreprises ? Sans aucun doute. Elles sont devenues très prudentes avec ce sujet, car elles savent que la bioprospection non autorisée, c'est-à-dire la biopiraterie, a beaucoup de répercussions dans les médias et qu'elle constitue un préjudice très important pour leur image. Actuellement, seule une entreprise a obtenu un permis de bioprospection, Quest International, une multinationale anglaise de 4300 salariés, possédant une filiale au Brésil, mais aussi en France. Sa spécialité, la création de parfums. En 2004, la société a reçu l'autorisation d'explorer une partie du Pantanal brésilien, où sont recensées 1800 espèces de fleurs. L'expédition comprenait plusieurs nés en quête d'inspiration pour la création de nouveaux parfums. Quant au contrat signé par Quest, il laisse tout simplement rêveur. En tant qu'entreprise de parfum, ce que nous cherchons, c'est une senteur nouvelle et excitante que nous pouvons utiliser dans notre parfumerie et développer pour nos clients. Vous ne prélevez pas de fleurs ? Non. Nous nous contentons de collecter les effluves dégagés par les fleurs. Vous ne trouvez pas que c'est fou d'avoir à demander un permis pour ça ? Ça peut paraître excessif, mais que diriez-vous si quelqu'un se promenait dans votre jardin en disant qu'il vient simplement sentir les fleurs ? Après tout, ce sont vos fleurs. Comme nous sommes une entreprise commerciale et que nous avons une charte éthique, il nous semble normal de demander la permission, particulièrement au Brésil, où il y a un dispositif pour cela. Que prévoit le contrat pour le partage des bénéfices ? Dans ce cas, nous avons signé un contrat avec le propriétaire du terrain que nous avons exploré. Sa contribution, c'était de mettre son terrain à notre disposition. Il est prévu de lui accorder une petite part des profits que nous réaliserons éventuellement avec l'utilisation du matériau exploité. Le pourpoisson est nosso. É nosso, brasileiro, do índio.
não a biopirataria. O cupuaçu é nosso. Ele é nosso, da Amazônia. Quatrième mesure, un programme d'information destiné aux communautés indiennes d'Amazonie. Il a été confié à Amazon Link, une organisation non gouvernementale qui avait mené une campagne pour l'annulation d'un brevet japonais sur le cupuaçu, un fruit amazonien. Créée par Michael et Libia, l'association dénonce la pluie de brevets qui s'est abattue sur l'Amazonie, où réside 25% de la biodiversité mondiale. La plupart, des plantes endémiques qui ne peuvent pousser ailleurs. E o óleo de copaíba, esse aí é extraído na floresta mesmo, né? Que é, o pessoal sabe que é o você, rapaz que né? traz pra gente. E esse aí vem em cápsulas. Cápsulas de copaíba. Tá industrializado, né? Todas essas ervas que existem têm um potencial muito grande para a indústria farmacêutica. Por exemplo, a unha de gato tem propriedades fantásticas, anti-inflamatório e fortalecendo o sistema imune e ainda muitas coisas que nem foram pesquisadas. Né? Mas, infelizmente, os direitos já estão, grande parte, na mão de empresas multinacionais, ou de empresas de países industrializados. Né? No Peru, por exemplo, a unha de gato, já existe um problema, é que eles já tiraram tanto que ela já está ameaçada. Que existe uma procura grande, eles exportam para a Europa, para os Estados Unidos. Né? Então, eles não têm plano de manejo. Pour Amazon Link, l'information constitue la meilleure prévention contre la biopiraterie. Et là, tout reste à faire, car le brevetage du vivant est un véritable casse-tête. Si on considère les populations traditionnelles d'Amazonie, non seulement les Indiens, mais aussi les Métis, tous ceux qui sont directement concernés par la biopiraterie ou la question des brevets, ce genre de discussion est encore très loin de leurs préoccupations. Il est très difficile d'expliquer à un Indien ce qu'est un brevet. Il y a un problème de communication et de langage. Ce qu'il y a en revanche, c'est un climat de suspicion général et c'est très désagréable. Il y a des gens qui croient que le simple fait de prélever une feuille, c'est de la biopiraterie. C'est pas si simple. C'est l'une des grandes difficultés de l'information. Comment éviter que chaque étranger soit vu comme un biopirate, seulement parce qu'il est étranger et qu'il est intéressé par la recherche. C'est vrai qu'il y a dans ce sujet un vrai dilemme. D'une part, toute la recherche pharmaceutique travaille avec le système des brevets. S'il existe dans cette forêt un médicament contre le cancer, il ne peut être découvert que par quelqu'un qui vient pour le breveter. Si on s'oppose au système du brevetage, c'est une position très radicale et éthiquement très difficile, car il peut s'agir d'un médicament qui guérira beaucoup de personnes. Mais de l'autre côté, on peut se demander si le système du brevetage n'est pas incompatible avec le mode de pensée des Indiens. Et s'il existe réellement un chemin médian, comme le suggère la Convention sur la biodiversité, qui permette de faire tout cela de manière juste, à savoir prospecter, breveter, transformer et partager les bénéfices avec les communautés. Est-ce que finalement tout cela ne serait pas une utopie, une grande illusion ? C'est à Libya qu'a été confiée l'animation du premier atelier d'information sur la biopiraterie. À terme, les membres d'Amazon Link rencontreront les 16 communautés indiennes de l'État de l'Acre. Après 36 heures de voyage, Libya est reçue par les Indiens Ashaninka qui vivent sur une réserve de 85 000 hectares située à la frontière du Pérou. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs vit exclusivement de la biodiversité.
Ils ne pratiquent pas l'agriculture ni l'élevage et se contentent de prélever dans la forêt amazonienne ses moyens de subsistance. Nourriture, bois de chauffage ou de construction, coton pour les vêtements et plantes médicinales. Sa seule intervention sur l'environnement consiste à entretenir les richesses existantes grâce à une exploitation raisonnée. Depuis 5 ans, les Achaninkas se battent contre les exploitants de bois et les fermiers qui envahissent leur territoire et détruisent la forêt. À terme, la disparition de la forêt signera leur acte de mort, mais aussi celui du poumon de la terre. Fils du chef de la communauté, Benki est l'âme de ce combat pour la biodiversité. Ce sont des carambolas. Et ici, du poivre vert. Ici, nous avons 116 espèces de fruits. Tout ça, avant, c'était un pâturage. Tout avait été arraché par un fermier qui faisait de l'élevage. Il a dû partir quand notre réserve a été délimitée. Nous avons replanté parce que notre communauté vit beaucoup des fruits. Ici, il y a une espèce, là une autre, que des fruits. Nous avons planté 50 hectares. Voici l'ayahuasca. C'est une plante très mystérieuse et sacrée pour notre peuple Achaninka. On prend la liane, on la coupe, après l'avoir fait cuire, on boit le jus. Moi, je la prends car j'ai suivi l'initiation des chamans et je suis guérisseur. Elle me permet de faire un rêve et dans ce rêve, je vois les maladies des gens et les traitements. Il y a des gens qui disent qu'elle a été brevetée. Et nous sommes très inquiets, car cette plante, nous l'utilisons depuis des milliers d'années, depuis l'origine de notre peuple. Durant séculos, né? A medicina tradicional não era considerada. Hoje, cada vez mais buscam saber. Eu acho que é para se a gente perguntando para vocês, né? O que que serve, que remédio que é, o que, para que é, que nome que é, onde é que tem. Como é que vocês veem essa mudança de pensamento da sociedade ocidental? No mundo ocidental, no mundo da visão de vocês, a criança tem que aprender a escrever desde novo para começar a descobrir os produtos que existem. Nós também aqui não somos na escrita, mas somos na vida. Né? Uma criança dessa já sabe a água que bebe, já sabe a fruta que come, né? Já sabe andar no meio dessa floresta, nos caminhos. E essa diversidade de vida está implantada no corpo e no espírito de cada um desses índios que moram no meio dessa floresta. A primeira vez que eu saí daqui com o Moisés, numa outra viagem, a gente foi para os Estados Unidos, fiquemos em Nova York. A gente viu lá, vendo o que nós temos aqui, lá está morto, acabado. A não ter mais quase vida. A própria pessoa é poluída. Por que o povo Achaninka não patenta a selva? Nós ainda não patenteamos a selva porque nós não somos dono dessa terra. A terra teve o superior maior. Não é um patrimônio só Achaninka, não é um patrimônio do Brasil. É um patrimônio do mundo. É um patrimônio da vida. Aonde não tem população indígena, é esquecida a vida do planeta. É destruída, entendeu? Então, a mesma forma é assim, se for patenteado em qualquer país ou qualquer um lá de fora, a tendência é acabar muito mais rápido do que tem. E eu queria que, só falar aqui um pouco, né, que muitas essas pessoas que hoje defendem o meio ambiente, né, defendem a população indígena, eles estão trabalhando para a sua própria vida, para a sua própria saúde. Estão trabalhando para a saúde dos seus filhos e mais para frente, as suas gerações. Para a saúde do planeta.
Ha 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 ha!